Allez hop, salut tout le monde, bienvenue sur Sprawl. Allez, on va continuer le jeu. Et on était passé à l'épisode 2. Donc je crois qu'il y a à peu près 3 ou 4 levels par épisode. Donc à mon avis, le jeu va aller très vite. J'étais obligé de baisser le son parce que je me suis aperçu que sur la dernière vidéo, le son était beaucoup trop fort. Ou du moins quasiment égal à ma voix. Donc je l'ai bien baissé. J'espère que cette fois-ci ça sera bon. Alors ça on l'a vu hier ensemble en stream. Je sais plus si c'est en QWERTY, ouais c'est en QWERTY. Allez, c'est parti. Franchement, les environnements du jeu sont cool, ils sont super hauts, il y a une belle verticalité des levels qu'on parcourt en sautant contre les murs, etc. Au fur et à mesure on grimpe. Il y a... Je trouve les environnements super bien faits, quoi. C'est pas beau, mais c'est en accord avec la thématique du jeu, quoi. Mon vaisseau qui s'est crashé. Bon, alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je vois pas de chemin. Je vois que la porte là-bas, mais... Ah, c'est un peu la loose là. Putain, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je peux sauter sur la grille? Ouais, je peux. Même ça sert à rien. Ah! Peut-être par là. Ouais. C'est bon, c'est ça. Alors, je vois des armes. Comment je fais pour passer? Je suis passé un peu au feeling, je m'attendais pas à passer. Je me suis dit à tous les coups je vais me le prendre dans la gueule. Allez, tout le monde descend. Tu sais pas trop parce que du coup il y a certaines portes qui s'ouvrent et d'autres non. Ça me fait mal si... Non. J'avais peur que la barrière me fasse mal. Suivre la lumière rouge toujours. À moi.
Ça c'est fait. Ah, je me sens un peu paumé là. J'ai l'impression que je fais que j'ai fait un tour gratuit. Ouais, c'est pas l'impression, c'est j'ai fait un tour gratuit. Putain, alors pour me sortir de là encore. Donc là il y avait les ennemis, ok. Je vais essayer de revenir en arrière, je peux? Non, je peux pas. Ah, les portes s'ouvrent pas. S'ouvrent pas non plus. Ah, le con. Je pensais que ça passerait normal. Allez, costaud, il faut viser le dos. Putain, ça joue au millimètre près pour attaquer dans le dos. Parce que très souvent il tourne en même temps que nous. Donc pour arriver à choper le dos, c'est pas évident quoi. Oh non, il est le jeu est vraiment technique et ultra exigeant. C'est pour ça que je l'aime bien. Ça est pour son univers, son ambiance. Après l'histoire, je suis pas fan. Sincèrement, je suis pas. Je m'en fous un petit peu, on va dire. Oh là, il va y avoir 3 tonnes d'ennemis, je sens. Change pas d'arme. Ne change pas d'arme. Putain. Ah, le jeu va commencer à devenir très dur. J'ai... Voilà. Deuxième, un troisième même. Putain, la musique me met la pression en fait.
Ah putain, j'avais plus de balles. J'ai des entrées de codex trouvées à chaque fois, mais alors, soit je les lis pas, soit je sais même pas ce que c'est. Hop. Du coup, j'ai pas mon lance-grenade. Va falloir y aller à l'ancienne. Allez, boum. De toute façon, les autres armes ne fonctionnent pas. Il n'y a que ça qui marche sur eux. Voilà, les deux. Ah bah il est là le lance-grenade. Et voilà, ça c'est fait. Il y a du monde là. Ah, le katana fait pas assez mal. C'est chiant. J'aimerais vraiment qu'il fasse un peu plus de dégâts que ça parce que... Putain, parfois je tire dans le dos, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Oh le con. Là il va y avoir du monde. Le jeu me lâche plus là, ça y est. C'est une nouvelle arme ça. Belle nouvelle arme. Putain mais meurs toi. Qui c'est qui me court après? À moi. Oh, ça j'aime. Ça j'aime, par contre, je reste sur place. Je reste sur place et c'est pas très bon dans un FPS comme ça où il faut bouger tout le temps. Oh l'an. Culé, hein. Putain. Je sais même pas pourquoi j'ai mis le ralenti. Hop. Hop, 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 hop. Putain, allez, les chiens robots me gonflent. Mais d'une force. C'est bon. Enfin, je suis ultra concentré quand je joue au jeu. J'ai la tête en avant. Tu vois, je... Ah voilà, je vise le dos. Ça a mis un moment avant de marcher.
Putain. Oh le con. Stupidité. Oh, attends, je monte. Putain, elle était de loin celle-là. Oh, je l'ai eu dans les flammes, je l'ai eu. J'aurais pas pensé que ça fonctionne. Ça serait bien, je récupère la nouvelle arme. Putain, mais c'est pas vrai! Ah, j'arrive pas à avancer. Putain, en plus, la phase est longue. Allez, grimpe! Oui, non! Putain! Encore, encore, encore. Putain. Putain, je suis à deux doigts d'envoyer la souris en l'air, quoi. C'est énervant quand tu avances pas comme ça, là. Putain, mais deux coups. En deux coups, j'ai déjà plus rien, quoi. J'ai plus de vie, quoi. Deux, trois. Putain, merde. Là, allez, un, deux, trois, quatre. Non, je pensais que ça serait fini, mais non. Oh, il est très loin, lui. Ouf, dans le dos. Ah ben, putain, c'était dur.
close to its own above ground, where there's an experimental weapon place that will serve you very well. C'est quoi ça? Encore? Il y en a encore un. J'aurais été sûr qu'il y avait un à chaque porte. Il y a du monde. Raté. J'ose pas y aller. Oh putain, je l'avais pas vu. C'est bon, il est mort. J'ai 120 d'armure. Je me sens un tout petit peu à l'abri, mais pas beaucoup. Ouais, il y a encore du monde, putain. Ah, ça a l'air bon. Je sais pas où je vais. J'en ai aucune idée. C'est pas par là. Alors, quand on sait pas où on va, faut suivre la ligne rouge. Enfin, la ligne rouge, les lumières rouges. Mais j'ai l'impression que ça marche beaucoup. Lumière rouge, peut-être en haut là. Je vois un truc d'accès là. Comment je grimpe? Ninja. On doit jouer à Shinobi, quoi. Ah, oh, putain. Access denied. Hop.
Ah, je tourne en rond là. Je tourne méchamment en rond. Je vais bien finir par trouver, mais quand? Putain, où est-ce que je dois aller quoi? En plus, il n'y a pas de, y a pas d'indication quoi. Aïe. Il n'y a pas d'indication, il n'y a rien. À moins que quelqu'un ait fait tomber une carte d'accès et que je l'ai pas vue. Une carte d'accès jaune, non? Ah, ça me saoule. Je perds plus de temps pour savoir où je vais que qu'à jouer vraiment quoi. Quand il y a beaucoup de verticalité comme ça dans les levels, souvent tu te perds en fait. Ah, la musique est excellente, mais quand tu tournes en rond comme ça, je vais essayer d'aller là. Non, ça marche pas. Ah, bah elle est là. Putain. Perte de temps, quoi, mais pour rien, quoi. Maintenant je trace là. Maintenant que tout est ouvert, je trace. L'armure, ça c'est bien. Putain. Reculer un peu. Ouf, bien, belle. Ah, je suis pas arrivé à toucher. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, il va pas se désactiver quoi. GG moi. Là, il faut y aller. Ah putain, je suis mort. Non, ça va. Perte d'armure, perte d'énergie, tout ce que tu veux. Je m'attendais pas à devoir changer d'arme.
Heureusement qu'il a parlé parce que je... sinon j'aurais pas vu quoi. Oh l'enculé. Ah, je passe pas là. C'est par au-dessus. Wow, 200 d'armure. Ça c'est beau ça. Je récupère tout ce que je peux prendre parce que... Comment je fais pour grimper? Et merde putain. Pas vrai ça. Ouais, j'ai un peu joué comme de la merde là, mais c'est pas très grave. Ben si, c'est grave parce que ça me fait gaspiller des munitions pour rien en fait. J'ai vu le robot, je me suis dit lui il va sortir. Allez, checkpoint. Oh, c'est quoi ça? Une, deux, trois, quatre, moins cinq. Chien me fait chier. Alors si maintenant en plus il y a les tourelles. Ça va pas le faire. Putain, y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde.
Carte magnétique rouge obtenue, super. Ah, il me faut la carte bleue aussi pour passer. Là, j'aurais dû rester avec ça. Oh putain. Hop là, j'ai failli tomber. Il y a marqué combien? 4 nécessaires? Putain, eux ils sont chiants parce que... Ouais, c'est sa quête nécessaire. C'est bon, ça fait 4 là. Oh, nouvelle arme! Nouvelle arme! Oh, le Raigen! Ah, ça a l'air chouette comme tout ça! Dommage qu'il n'y a pas de mode de visée en fait. Bah non, je suis con, le mode de visée c'est l'adrénaline. Hein. J'ai appuyé sur le bouton, il n'y a rien qui s'est passé. C'est beau. C'est beau, ça fait des étincelles. Ça met un petit temps à se déclencher, mais c'est pas mal. Mais là, j'ai toujours pas la carte bleue. Ah si, c'est bon. Ah. Non, je m'attendais à pouvoir faire joujou un peu plus avec le Raigen, mais non. Y'a du monde. Bon, par contre là on est plus sur les soldats standards. Putain. Mais maintenant il y a des drones et tout quoi. J'adore l'effet que ça donne quand tu tires avec le Raigen quoi. Je trouve l'arme super bien réalisée quoi. Si on tire dans la tête, ça fait mal. Ouais, pas super. Oh là là. Ouais, plus j'avance, plus ça va être dur là. Merci, au revoir. Oh, les étincelles quand ça pète comme ça, c'est rigolo quoi. Oh. Non, trop loin.
beaucoup trop loin. Ça fait des trous partout. Est-ce que ça enchaîne? Non, dommage. J'aurais aimé que ça fasse des trous dans deux ennemis en même temps en fait. Quand deux ennemis sont alignés, j'aurais aimé que ça les touche intégralement quoi. Ça aurait été cool. La musique qui s'emballe. Qui me shoot hein. Ok. En termes de gameplay, le jeu me rappelle Incision aussi. Un autre FPS assez nerveux. Je sais pas où je dois aller. C'est moi où j'ai entendu du monde. Ah merde. J'ai toujours des accès parce que... Bah, les ennemis de base sont de moins en moins fréquents en fait. Les simples soldats où tu tires dans la tête une fois ça marche, sont de moins en moins fréquents. Il y a de plus en plus de soldats supérieurs là. Ah, le jeu commence à piquer sérieusement quoi. J'ai l'impression que les flingues servent plus à rien. Putain. Ah oui, super checkpoint quoi. Vraiment tirant dans la tête, c'est loin d'être autre chose. Oh, j'aime pas cette arme. Elle a un feeling de merde quoi. C'est t'as l'impression de pas tirer avec quoi. C'est trop léger quoi. Au niveau des tirs. Bon ça par contre c'est beau ça. 200 d'armure, je prends. Nécessaire 1 et 2. Voilà, je sais pas ce que ça ouvre mais là peut-être ouais. Hop, je reviens, je fais
petite pause. À de suite.
Allez, je remets la musique. Parce que sinon les deux musiques se chevauchent. Allez, hop. Tac, tac, tac. Tac, le micro est bien. Allez, c'est bon. Hop. Oula, 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 je suis prêt en chasse. Raté. Je sais même pas si c'est réellement nécessaire que je les élimine. Changer d'arme. Des fois, il faut même pas hésiter parce que. Il est en train de raconter sa life. Putain, enfoiré. Je sais pas s'il y a pas un bonus là, non? Ou quelque chose? Non, que dalle, dommage. Non, je me suis bien fait allumer comme il faut. Je fais quoi? Il m'a dit de monter dans le train, mais. Pour le people qu'il y a. Et de l'autre côté, pour faire le sale boulot. J'ai réussi de monter dans le train, mais j'y crois pas trop. Non, y a rien, je pense qu'il va falloir que j'y aille tout seul. Oh, c'est long. Que c'est long. Ça casse le rythme du jeu là. Le jeu s'énerve. Encore un chien. Et un chien à la Skynet. Ah, il faut y arriver à les toucher dans le dos. Putain, meurs.
Oh, ça a l'air dangereux. Heureusement que la machine gun elle fait le taf parce que et que j'ai assez de munitions. Oh putain, je le sens pas là. Allez, je suis prêt. Let's go. Je m'attendais à ce qu'il explose, mais non. Hop, 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 hop. Oh, il y avait un autre robot, ouais. Ouf. Je l'avais oublié l'arme. Raté. Hop. Ouf. Ah. C'était pas ouvert tout à l'heure. Ouais, j'étais entre deux feux là. J'étais entre deux feux. Ah, le ratage. Sinon j'aurais pas pu le tuer en un coup. Putain. Ok, super. Ouais, je suis super mal positionné quoi. Faut que je trouve le bon côté. Oh putain, je suis super mal placé. Il y a beaucoup beaucoup trop d'ennemis quoi.
encore. C'est pas ici. On en manque un deuxième, il est là. Oh, ça j'aime pas ça. Ils vont arriver de chaque côté. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. Hop, fin du level. C'était cool. Ah, ce ratage. L'armure, ça c'est cool. Je peux passer nulle part. Là, je peux pas. Là, je peux. Heureusement que l'adrénaline m'affiche les têtes rouges parce que sinon je verrais rien du tout. Oh joli.
devenir un expert du parcours. Pourquoi ça? Ah. Ah le con. Non. Ils ont des petites têtes, des robots. C'est compliqué de les shooter. Voilà. J'ai pas le Raigun, ouais. Il est très très bon, le Raigun. L'arme me plaît beaucoup, même visuellement je la trouve cool. Par contre les armes manquent d'animation quoi, de rechargement. Je trouve ça dommage quoi. Nouvelle arme. Oh, bazooka. Rocket Launcher. Oh, c'est beau. Je vais garder ça pour plus tard. C'est la meilleure arme du jeu quoi. Vraiment elle est énorme. L'environnement est super classe. Avec cette espèce de gros bâtiment noir et jaune là. Joli. Je pensais pas l'avoir de là. Il avait pas de... Pas de bonbonne de gaz à l'arrière. Je sais même pas comment j'ai fait pour crever quoi. J'ai même pas eu l'impression d'avoir pris un coup quelque part. Ah putain, faut recommencer là, fait chier quoi. Raté. Raté. Putain, j'ai 100 de vie, on dirait que j'en ai 10 quoi. Ça c'est parce que j'ai pas d'armure quoi. Critical system failure.
Putain, pas le lance-roquette. Quête. Fait gaspiller des munitions pour rien, ce con. Putain, le fusil à pompe, ça lui a mis un coup. Au feeling. J'ai 35 de vie, je vais pas aller loin. Pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Quatre nécessaires. J'ai pas osé y aller direct, j'ai peur de tomber. Allez, deux générateurs. Je vois de l'armure là-bas. Il n'y avait pas un deuxième. 3. Allez, il me reste un générateur. Putain. Putain de merde. Grimper.
Elder. Putain, j'y crois pas, je rate. Je lis la moitié de ce que le mec dit en fait, parce que ça va tellement à une vitesse de fou que j'ai pas le temps de lire quoi en fait, je suis tellement dans le move. Machine arrière, j'imagine. Ils sont où ces cons là? Fusil à pompe. Ah voilà. C'était pas ce que je voulais faire non plus, c'est pas grave. Putain, il s'est tourné direct. Je pensais l'avoir dans le dos, mais il s'est tourné cash quoi. Putain, mais j'ai pas de vie quoi, c'est un truc de fou quoi. Ils tirent trop fort quoi les trucs. Deux shoots et je suis mort quoi. Dégage.
Alors, heureusement que j'ai des réserves parce que... Péter une durite. Quelqu'un qui me tire dessus derrière. Oh là putain, c'est chiant. Ah. Super checkpoint quoi. Bon lui je l'aime pas lui. Putain, mais le katana ne sert à rien, quoi. C'est énervant, quoi. Ouais, j'ai besoin de gros calibre, là. Faut que je monte dans les étages supérieurs. Je suis pas bon du tout là. Et il me faut ça surtout. Voilà, le 200 d'armure va faire du bien là. Ça sert à rien comme arme ça. Ça lui fait rien. Les deux flingues lui font absolument rien. Quatre nécessaires. Deux. Trois. Et 4. Comment je fais? Je détruis ça, non? Non, c'est pas ça. Ça me semblait évident pourtant, mais... Oh putain, ça, je sens que ça me fait chier aussi.
J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Il y a de l'armure au milieu. Non, il a un bouclier. Il a un bouclier, je sais pas comment faire. Putain, ça passe pas, hein. Ça passe pas du tout. Putain, mais ça me semble tellement évident qu'il faut tirer sur ça pourtant, mais... quoi. Ah, c'est nul, je sers à rien. Je sers strictement à rien. Putain. Ça me saoule. Oh, que dalle. Ah, je rage, ça me gonfle. Ça me saoule. Il faut tirer là-dedans. Pour arrêter le générateur, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Ok. Putain de merde. Allez, moins un. Putain, c'est super chaud d'arriver à viser, c'est parti. Putain, je lui fais pas de dégâts. C'est ouf. En plus, il s'arrête pas de bouger. Oh le con, oh le con, oh le con. Allez, grimpe. Reste à ça à tuer. Allez, encore. Maintenant il faut que je tire dessus, simplement.
Boum, ça c'est fait. Alors je sais pas du tout par où je sors. Par là. Ouf. Ah bah c'était bien chaud quoi. Ouais, épisode 3. Alors, vous avez réussi à détruire le complexe Gore sans même avoir y pénétré. Il vous a suffi de surcharger le système de refroidissement. Blablabla. Cet endroit est froid, inquiétant, voire perturbant. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Vous approchez des faubourgs de la ville sombre et donc de la flèche. Allez, je vais m'arrêter là. Ok. Il y a quoi dans les extras? Contre la montre. Ah, il y a un mode horde aussi. Ok. D'accord, en plus avec, avec sa map. Il y a un contre la montre. Aussi avec plusieurs maps. D'accord. Sympa. Et le codex. Le codex qui est tout en anglais. C'est dommage. Je crois qu'il y a 4 épisodes. J'ai regardé les succès tout à l'heure, je crois qu'il y a 4 épisodes. La flèche. Ou peut-être que 3 en fait. À voir. À voir. Bon allez, je m'arrête là. À plus.